Re-YouTube, ça y est, j'ai mangé, j'ai fait pipi. Donc on peut se remettre au jeu. Bien évidemment. Alors là, voilà, ça c'est... Ça c'est les vieux ramiers là qui m'ont pas aidé du tout tout à l'heure. Il y avait de la grosse machine. Il y avait de la grosse machine, mais genre zéro aide quoi. Qu'est-ce que tu attends? Lance l'assaut sur l'ennemi. Ok, super. Elle toujours, toujours super agréable hein, comme d'habitude. qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se recréer des flèches de tout type. Voilà. J'espère toujours tomber sur un moment, un jour. J'espère toujours tomber sur des arêtes de poissons. Oh là-bas. Un feu de camp. Oh, il est pas loin. Mais c'est bon, il a été activé. Ok, donc il y a ce premier camp là qu'il faut que je tabasse. Vas-y, Aloy, tu peux le faire. Petit poisson? Oh, petit poisson. Il y a des veilleurs à gauche, mais c'est pas grave vu que de toute façon faut que j'aille à droite. La petite musique là. Je vais garder ça pour la route. Pas bien. Pas bien avec la petite musique. Je vais aller voir le copain. Il y a un copain là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Salut à toi, chercheuse. Tu as l'air résolu. Je ne voudrais pas être celui qui se dressera sur ton chemin. C'est quoi là-bas? Un veilleur, d'accord. Un autre veilleur là-bas, d'accord. Là, c'est les méchants. Ça, c'est les méchants. Qu'est-ce qu'il fait lui? Faiblesse le feu. Ça les a pas plus perturbés que ça, quoi. Il y a juste un veilleur qui se fait défoncer. Ok. Alors toi, t'es mort direct. Ah, attendez. Je vais pas me faire baiser cette fois-ci, regardez, il y a ça. T'as vu ça? Cette fois-ci, j'ai compris que les barils comme ça. Et voilà. On pouvait les tabasser. Attendez, du coup, là, hop. Là, il y a lui. Voilà, toi, t'es mort. Attendez, hop, monte ton œil, monte ton œil. Voilà. C'est tout? C'est tout?
je suis limite déçu, hein. J'ai tout fait à distance. Monter. Allez. Fais un effort là. Voilà, il y a du violet là. J'ai récupéré un mug. Déjà plein. Ok. Voilà, l'alarme est détruite. L'Arabiacha qui passe. Alors ensuite, on peut prendre le camp à gauche ou le camp à droite, on s'en fout un peu. Ok. Aïe. Oh non, mais... Dis-moi pas que tu t'es fait bobo, quoi. Y'a quoi? Quoi dans le coin? Des sangliers, ok. Ah, des bâtons. Très très important les bâtons. Ok. Alors par où je vais passer? C'est un truc, ouais, c'est un truc que j'aime bien aussi dans le jeu, quoi. C'est la liberté pour aller chercher des trucs. Quoi, y a ça? On est vraiment tellement libre en fait de passer un peu par là où on veut, quoi. C'est vraiment super cool, quoi. Je suis là, pourquoi il y a des... Il y a des veilleurs corrompus. Où ça? Merde, 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 merde. Ah, merde. Allez, vas-y, j'ai l'air de galérer. Merde! Il y avait encore de la vie, lui. Ou alors c'est un autre.
Ok. Ouais, faut vraiment leur balancer. Faut vraiment leur balancer des trucs enflammés. Et puis derrière, derrière on attend qu'ils crèvent quoi. Est-ce qu'on va refaire des flèches? Ok. Bon. C'est par où? Ah, il y a un feu. Hop. Nickel. Le feu est activé. J'ai des veilleurs là-bas. Est-ce que je vais activer le feu? C'est probable. J'ai encore des veilleurs corrompus là-bas. Discret. Hein. Le petit feu là. Je vais mettre ça de côté. Le petit feu trop discret là. Parfait. Il y avait quelqu'un là, non? Ah oui, il y a quelqu'un là. L'arme, elle est là? Ah, c'est ça, ouais. Donc là, le mec, il faut que je le bute. Sans alerter personne. Donc. Mes petites flèches bien utiles là. Pleine tête. Là. Ça c'est fait. Personne ne s'en est rendu compte. C'est le corps de qui ça? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Merde! Ah merde! Ah, je l'ai pas vu! Je l'ai pas vu, c'est pointé derrière! Bah j'ai bien fait de sauvegarder hein. Ah d'accord, il y a une sauvegarde automatique juste avant. Ok. Et les machines par contre je les ai pas du tout vues quoi. Elles viennent d'où? Là il y a un cum, là il y a un cum. Mais non, mais t'as rien entendu du tout. Putain, je vois rien. Putain, il est là. Elles sont où les bêtes? Y'a un truc qui vole! Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Bon. Alors, commencez. C'est le premier, là, qui me... C'est le premier qui me pose problème, là. Mais donc, ok, il y a des trucs qui volent. Que je n'avais jamais vu. Il est où le mec? Mais me dites pas qu'il est derrière le si, il est derrière le portail. On bouge plus. Merde. Évidemment, là, j'ai réussi. Ils sont plus balèzes, hein. Il est inutile d'essayer d'échapper à l'ombre. Tiens, t'as-tu vu? Mais merde! Je vais retravailler, hein. Ah, c'est évident. Coucou, Gigit. C'est ouf là. Enfin, le premier test là, c'était bien. Je pense qu'il faut vraiment que je désactive l'alarme en fait. Hein. Oui, c'est marqué détruire l'alarme. Donc il y a Connarman en face là. C'est lui qu'il faut que j'ai en premier. Sauf qu'on voit que dalle. Je sais pas où est sa tête quoi. Pourquoi j'ai décidé de faire cette mission de nuit? Mais... Voilà, là j'ai le marquage. Putain, on voit rien. Hein. Ok. Ok. C'est fait. C'est l'enfer! Je suis dans l'eau.
Allô, je suis dans l'eau. Comment je sors? Comment je sors? Merde. Putain, à côté de la tête hein. Je t'ai baissé. Non mais c'est une blague hein. Là, elle est au-dessus. Là, elle est au-dessus. C'est une blague. Dis donc. Et donc effectivement, quand on désactive l'alarme, y a pas tout le monde qui réplique quoi. Belle victoire. C'est quoi là-bas? Ah oui, d'accord, c'est la flambée, ok. Parce que là, tout le monde qui radinait tout à l'heure là, c'était pas drôle hein. Et non, je trouve pas que ça ressemble à Monster Hunter. Le but c'est pas de le but c'est pas de tuer tous les monstres. C'est bien. OK. On va récupérer la tunasse. Mais donc j'ai bien vu des machins qui volent quoi. Et ils avaient pas l'air très sympas. T'as-tu réussi à avancer, Gigit? Vas-y. Je sais pas de toute façon. Hop, je peux la récupérer. Bon. Alors, deux camps nettoyés. Et bon, on va aller se faire le petit dernier. Mais avant, je vais aller chercher le feu de camp. Grave, je fais une bête de cours là, ça va cartonner, c'est cool. Oh, cette forêt flippante là. C'est quand qu'il fait de nouveaux jours là parce que... On sait jamais, ça peut servir. C'est quoi là-bas? Des pistoles? Très utile. Y'a que ça ou pas? Là y'a Charognard mais c'est loin quoi. Putain, il me voit d'aussi loin? Ce que je dois faire. Oh ! Aïe. Mais arrête ! Ah, il m'aide!
ils m'aident les autres. Pour une fois ils sont pas inutiles. C'est quoi ces points faibles là, ça? Oh merde! Ouais, j'ai pas fait gaffe. Oh non, y'a l'autre qui... Non, y'a l'autre qui... Y'a l'autre qui sera à boule, putain, c'est pas possible. Il a appelé tous ses potes. Oh là là... Quel enfer. Ils étaient super loin, quoi. Ok. Merde. Allez, debout. Mais pourquoi? Ok. La menace est passée pour l'instant. Et là, dis donc. Tout ça pour récupérer un feu, quoi. Mais ça fait 15h plus que je suis dessus, c'est déjà lourd, hein. Les profs toujours en vacances, gna gna. Sinon j'ai bu le thé de chez ma chère collègue, mademoiselle L. Vu son fils qui était dans son bidou quand elle était notre prof. Oh merde. Là je bosse sur les irréguliers pour essayer de rendre ça fun, pas bosser comme ça faisait avant. Ils peuvent plus gober, les listes. Mon nouveau chef a l'air jeune et rock'n'roll. Alors. Si c'est lui, ça va pulser. Bref, trop hâte de bosser. Attaque, il va pas dire aux autres, venez pas, je gère. Non, mais ils étaient loin, quoi. Ils étaient loin, en fait, c'est ça. Donc je pensais clairement pas que de si loin, il allait rameuter, tout le monde, quoi. Mais voilà. Allez, on va manger le ratou. On a tué le ratou. On va manger le ratou. Alors. Merde. On peut les buter d'aussi haut que ça. Attendez, les poissons. Et vous avez intérêt à me filer des arêtes. Hein. Là j'en ai marre. Hein. Là je veux full arête. Hein. Je l'ai pas vu. Yes, arête de poisson. Trop bien. Putain, je l'ai pas vu l'autre. C'est un Dancy corrompu ça, non? Si je déconne pas. Il est où? Je sais pas où il est. Donc, artisanat. Capacité de stockage. Voilà, regardez ça. Ah, faut que je tue des ratons laveurs. D'accord. Bah écoute, ouais.
toutes les modifs à chaque fois, je suis... Mais merde, mais je suis allé trop loin. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé pour me planter comme ça, quoi? Y'a pas un signal là-dedans On va le marquer lui. Comment je peux y aller? Prenons par en bas. Voilà. T'auras pas allumé le signal, mon gars. L'environnement post-apo comme ça est top. Ouais, non, franchement, ils ont vraiment fait un super boulot là-dessus. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Enfin, ils ont vraiment fait un super boulot sur le jeu en général, je pense. Mais ouais, dans les environnements et tout, c'est, on voit que c'est travaillé quoi.
Même là, rien que sur les tranchées, en fait, on voit que... c'est pas juste pour... Ça ressemble à des... Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, il a flambé. Mais à chaque fois, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont mis différemment, en fait. Sur le scanner, c'est affiché différemment. Et à chaque fois, je me fais avoir en disant, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ça fourmille de petits détails. C'est vraiment cool. Mais c'est ça qui fait que... voilà, on... C'est dans ce genre de petits trucs, en fait, où... Désolé, en même temps, je... C'est ça qui fait qu'on rentre dans un jeu, en fait. Ça va pas être le truc général, en fait. Ça va être tous les petits détails partout. Finalement, on se dit, ouais, le monde est cohérent, quoi. La cohérence de l'univers vient là, quoi. Les feux rouges. Les feux rouges, mais ça me fait tellement marrer, en fait. Il y a les feux de signalisation, il y a les panneaux. Voilà, on reconnaît, en fait, les panneaux de signalisation. Et on se dit, ouais, il y a eu une civilisation avant, quoi. La nôtre, d'ailleurs, en l'occurrence. Des mecs derrière. Pourquoi je fais ça, moi? Il y a des cums derrière la porte. C'est pas là qu'il faut que j'aille, mais... ça fait un peu penser à la série 100. Que je n'ai pas vu, donc je ne saurais pas dire. Il fait un temps de merde le jour où j'attaque tout le monde là. La pluie couvre les bruits, je ferais mieux d'ouvrir l'œil. Oula, il y a plein de trucs là. Vous savez ce que ça veut dire dans un jeu? Vous savez ce que ça veut dire dans un jeu quand il vous donne plein d'objets? Comment il fait pour tenir le feu là? Parce que vu la flotte qu'il y a... Je conseille cette série, en gros garde nucléaire sur Terre. Ils deviennent inhabitables, les gens se réfugient dans une base spatiale. Et 11 ans plus tard, ils nous envoient sur Terre sans détenus pour savoir si c'est vivable. Attends, nos décors sont un peu comme ça, ok. Mais elle est où, vos machines? Elle est au début. Non? Oui, peut-être. Quoi? Là? Ah oui. Les camps ne sont plus un problème. Direction l'anneau de métal. Ces hauts remparts protègent l'ennemi. On devra escalader sous les tirs, si jamais nous sommes repérés. Si jamais nous sommes Attends, repérés. J'ai une autre idée. Leur base a... une faiblesse. Je vais y aller seul et en tirer parti. Si ça fonctionne, je provoquerai une explosion qui créera un trou assez grand pour que vous puissiez passer. Ça me va très bien. À condition que je t'accompagne. Une chef de guerre accepte avec bon up, Chrisou. Deux flèches impatientes de jaillir de l'arc. Oui, Varl. Accompagne Aloy pour l'assister, mais... sois prudent. La série spéciale. Oui, Sona. C'est en mode teenager, les détenus sont tous des ados américains de base. C'est spécial, elle devient un peu what the fuck, mais ça se regarde, ok. Allez-y, nous attendons votre signal. Dans le genre post-apo que j'avais bien aimé, il y avait Jericho. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui l'avaient vu. Mais Jericho était vachement bien. Du moins la première saison, la deuxième est un peu moins ouf. Mais c'est parce qu'ils avaient plus de thunes et... T'as un plan, pas vrai? Tu m'as suivi jusque là, même dans les ruines. T'es censé me faire confiance? C'est vrai, mais...
Mais la première saison de Jericho est vraiment bien. Patience, Varl. Tu comprendras bientôt. Joe adorait. Ah bah ouais, non, non, mais. C'est vraiment une série que j'aimais bien, moi. Eh ? C'est moi qui lui fais la courte échelle ? Ok. Celui de droite est pour toi. Ah. Qu'on les tuerait ? Il a rien fait. J'ai cru qu'il allait m'aider. Mais pas du tout. Tu peux pas nous échapper. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais pas qu'il faudrait qu'on descende, moi. Je sais pas si la série est dispo sur une offre légale. Non mais gars, attends-moi quoi. Je peux faire. Avant, je perdais mon temps à boire et à me battre. Maintenant, je sers l'ombre. Là, tu vois cet abri couvert ? À l'œil, tu vois ces corrupteurs ? Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées, toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Mais je n'attendrai pas d'ici, il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour, explique tout à Sona et guide-les de ce côté de la nuit. Je m'en occupe. Et quand le mur s'écroulera, je serai le premier dans la brèche. Super, hein, on sera le premier à mourir. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, va falloir... Attention. Si je peux rester silencieuse, ce sera bien plus simple. C'est le truc qui est là-bas.
Et comment je fais pour tuer les humains en mode sneaky là? Regardez. Bon, fini la ruse. Merde! Il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Quoi? Allez, merde. Aïe. Je dois m'occuper de ce plan B. Vite. Impossible. Oui. Bon bah finalement, finalement c'était en mode connard. Ah super. Ah bah ouais mais d'accord. Ah merde. C'est rigolo parce que tout le monde se bat. Et merde, j'étais coincé par le mur. Ah oui, c'est pute. Merde. Ouf. Ok. C'est un peu le boxon, mais... Toute mère admire notre victoire. La dette de vengeance est payée. Souvenez-vous de ce jour, brave Nora. De vos lèvres aux oreilles de la déesse. Oui, souvenez-vous-en. Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. Moi, je vais récupérer le stuff. Hein. Si vous m'en voulez pas... C'est fini. Ils pourront plus sévir. Je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Qui étaient les tueurs? Comment ils m'ont vu dans son focus? Hop, hop. On récupère tout.
J'ai quand même essayé de le faire en sneaky, hein, mais je me suis fait quand même repérer la première seconde. Hein. J'aurais tenté. Vas-y. Récupère. J'ai déjà trop de choses. Par contre, les corrupteurs, on peut pas. On peut rien récupérer sur les corrupteurs, par contre. Un peu con. Ah, je pense qu'on aurait pu les buter nous-mêmes plutôt que de faire exploser le truc, mais. Ah, t'es compliqué. Hein. Tu ne dois pas rentrer avec nous, pas vrai? Je ne crois pas, non. Je suis contente que tu aies pu faire ce que tu voulais, Varl, mais. Moi, non. Pas encore. Bon, je sais que tu dois partir. Tu es chercheuse après tout. Exactement. Mais si tu repasses un jour par ici. Eh bien quoi? Ça me ferait plaisir de te voir, c'est tout. On va se regrouper à la couronne de la mer. Je t'y croiserai peut-être? Peut-être bien. À très bientôt. Tu es une guerrière douée, Aloy. Rost t'a bien. Ah, finalement, elle m'aime bien. Tu le connaissais? Dans une autre vie. Et assez pour savoir que c'était un homme bon. Dis-moi pourquoi il s'est fait bannir. Pourquoi on l'a banni? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Vas-y, dis-moi. J'aimerais pouvoir te le dire. Mais seuls les hautes matriarches connaissent toute cette histoire. Merde. Il paraît. Bon, il faut que je me mette en route. Merci, Aloy. Que la toute mère bénisse ton chemin, ou que celui-ci te mène. Finalement. Finalement, maintenant, on est copines, quoi. Du coup... Oh là là. Tellement de trucs en plus. Et donc, on a le piratage. Indéfiniment, la durée pendant laquelle une machine reste sous l'emprise du piratage. Donc maintenant, on va pouvoir pirater les machines, mais en plus qu'elle reste. Ah, il y avait bricoleuse qui m'intéressait aussi. Mais là, on va peut-être utiliser le piratage avant. Maintenant qu'on peut pirater tellement de trucs. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Du coup. Alors, les boîtes à trésors. Garde des lingères. Ça, on est bon. J'ai récupéré un autre mug. Non, mais on récupère des mugs dans le jeu. Capacité de stockage, ça c'est fait, ça c'est fait. Oh, encore des arêtes de poisson, quoi, c'est fou. Encore des arêtes de poisson, une peau de renard, les os de raton, les peaux de raton. Ouais, va falloir qu'on bute du raton. Va falloir qu'on bute du raton et du renard, quoi. Ok. Alors, les quêtes. Aline, qui a rencontré un... Ok, donc ça c'est la quête principale. Les terres Banouk. Montre-moi sur la carte. Ah, je pourrais aller là, hein, je suis pas si loin que ça. Hein. Ouais, enfin, quand je dis pas si loin... Ouais, je me suis peut-être fourvoyé. Ah, là, il y a un camp de... Il y a un camp de salauds. On peut peut-être aller au camp de salauds. Histoire d'aller buter tout le monde. Ça peut être une bonne idée. La vengeance. Ça, ouais, on sait ce que c'est. Partie de chasse. Ah, bah, j'ai que ça en fait comme. Ok. J'ai que ça comme. Euh...
comme quête pour le moment. Allez, on va aller casser des gueules. Je dérape un peu. Je peux sortir par là ou pas? Oh non, il y a un mur invisible. Oh non, il y a un mur invisible. Oh là là. Ah bah non, c'est bon. Ah non, on est encore dans le camp là. Merde. Les escaliers là. Des feuilles me réconfortent. Et remur invisible. Ah bonjour, c'est chiant. Je garde ça pour plus tard. En fait, genre, j'ai pu juste sortir par là, quoi. Ok, bon. On a quoi comme animaux? On a du renard là-bas. On a un dodo, on a un lapin. Pas de munitions, j'aime pas ça. Comment ça? Mais si, regarde. Plein de munitions. Alors, on marque. Hop. Voilà. C'est beau. Il est beau le jeu. Ok, là il y a des ressources spéciales. Des arêtes. Candelas Banditos. Niveau 25. Niveau quoi maintenant? Niveau 20. Et jusqu'à maintenant, les camps de bandits, franchement, je les ai... Je les ai eu de manière assez... Merde. Je suis pas allé chercher le feu de camp là, c'est dommage. Je garde ça pour la route. C'est quoi le truc là? Un veilleur, ok.
Ok. Bon, il y a un mec là-haut, là. Je pense que ça va être mon ma première cible. Je dois me préparer. Ils sont combien ? J'y vais avec l'arme lourde, c'est ça en fait. Oh merde, putain il tape fort. Et merde.
Ok, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi niveau 25, hein. Putain, c'est qui? Voilà. Déjà, ils sont beaucoup plus résistants. Je fais mon loot, hein. Ouais, c'était la mort qui t'a assassiné. Hop, voilà. Bravo. Ils font des roulades. C'est fini pour toi. Merde. Elle est partie par là. Merde. Merde. Oh! Et ben voilà. Plus 15 000, ok. Ok. Ah, ça ressemblait à ça donc du coup. Nous sommes toujours les Nora, mais pour combien de temps? La corruption a gagné beaucoup de terrain. Bon, si je parlais à la marchande. Pas la vue de ces horribles machines, c'est contre nature. Vendre mes trucs de voyage, du coup je peux les vendre, non? C'est où les trucs de voyage? Là. Je peux tout vendre en fait ça.
Valeur 2. Ouais, d'accord. Pas grave. Voilà. Le collier, je peux vendre. Les tire-bouchons, je peux vendre. On a quoi d'autre? Les bagouses, je peux vendre. Les montres, je peux vendre. Ensuite, on a quoi? Ça, échange contre des éclats de métal. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est pareil. Ça, c'est que éclats de métal. Échange contre des éclats de métal. Ben voilà, on est pas mal. Et on a 1000 balles. On a 1000 balles. On a 1000 balles. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces 1000 balles? Déjà, on va prendre mon échantillon, déjà. Déjà. Ensuite, on va récupérer un peu tout ce qu'on a. Je vais garder ça pour la route. Récupérer. J'ai pas activé le feu. Ça serait bien que je sauvegarde, parce que vu le temps que ça m'a pris là. Mais donc ouais, ça nous montre qu'il y a des... Il va y avoir des combats un peu plus vénères du coup. Je suis passé par là ? Ouais, je suis passé par là. Elle a vraiment plus l'air d'une paria, ça c'est sûr. Tout le monde m'aime bien, hein. Goujana. J'espère que jamais on pourra voir la Chine. Nos combattants les plus valeureux sont morts ou estropiés. Ah bah oui, j'en ai buté plein à l'extérieur en fait, c'est vrai. J'avais le gros aussi là, celui qui tenait le... Voilà, il est là. Et il bouge encore un peu. Hein. T'as vu Johanna? J'ai fait... J'ai fait un camp niveau 25, alors que je suis que niveau... Enfin, j'étais que niveau 20 quand j'ai commencé. Ah, non seulement j'ai survécu, mais en plus j'ai step up hein, quand même. Hein. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de... J'ai pas de quête là. En vrai les niveaux ne veulent pas dire grand chose dans le jeu, surtout si tu joues furtivement. J'y suis allé un peu... Alors furtif... Est-ce que j'utiliserai ce mot? Je ne sais pas. Mais j'ai réussi quoi. Ok... ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça je peux vendre, ok. Et j'ai 1600 balles quoi. Ah mais ouais, mais alors ça faut que j'en vende, ouais. Bobine déchirure. Genre par exemple là, voilà, 7, je m'en fous. Plus 13 en feu, plus 15 en feu, là je peux virer celui-là. 27 corruption.
23 corruption, on s'en fout. Garder anti-électricité, plus 8, c'est nul. Vends-moi ça, quoi. Voilà, ça me fait de la place. Tu vois, j'étais content. J'étais content, je pensais que j'avais fait quelque chose de vachement bien. Finalement, non. Ah, y'a me déçu. L'échantillon. Ah oui, j'ai mes. Oui, bah oui, j'ai ça aussi à vérifier. Alors, les camps de bandits. Ça, c'est fait. Les compétences. Non, j'en ai gagné qu'une. L'inventaire. J'ai des boîtes au trésor. Ah ouais, ok. Tout le reste, j'ai vu. Merci. Alors, les boîtes au trésor. Magnifique. Ah, je l'utilise jamais ça. Ah, il y a des trucs que j'utilise jamais. Trop bien. Bon, on va aller où là pour le prochain truc là? J'ai fait mon petit... J'ai fait ma BA. J'ai fait ma BA, mais... Pourquoi il y a deux... Non mais regardez, il y a deux feux de camp. les feux de camp, ils se font des bisous. Bah tu sais quoi, t'as raison de plus jouer à Isaac car c'est nul ce jeu. Et hein, d'où j'ai arrêté de jouer à Isaac? D'où j'ai arrêté de jouer à Isaac? Petite zone corrompue là. Vive les bisous. C'était une blague. Toi aussi, tu veux m'énerver? Non, madame. Non, madame, j'ai rien dit, madame. Désolé, madame. Et ça, les feux de camp? Les feux de camp, ils sont... Ah, là tous les feux de camp. Et ils sont tous là. Ils sont tous là. Là, c'est la chasse. Bon. C'est pas le tout là, mais Ah non, la plaie, ouais, non, c'est chiant. Oh, mais la venge, mais tellement, tellement loin. En plus, là, faut passer par Sylvie Testude, là. Ça, je me rappelle. On va aller faire le... Voilà, on va aller faire le truc là. Ah bah allez, les feux de camp, il faut des gros marshmallows. Mais je crois qu'il n'y en a plus. Malheureusement, tu vois, civilisation, on a un peu éclaté la civilisation. Et il me semble qu'il n'y en a plus, malheureusement. Alors là, je suis là. Et là, droit devant. Oh, le... Frappe picote.
Un haut de patte corrompu. Est-ce que vous pensez que je peux m'en... Je peux lui casser la gueule ou pas? Les ailes, on s'en fout. Ils sont faibles à quoi? Le feu. Le feu et la foudre. Bon, bah on va leur casser la gueule. Ils sont que deux? A priori. Vas-y. Comme d'hab, je vais y aller comme un bourrin. Allez, finissons-en. Ah non, ils sont pas que deux. Ah merde, c'est... Il y avait pas que les dodo géants. Merde. C'était bien visé à côté, hein. Attaque là. Merde. Pas aller dans un danger, hein. Les dindons géants. Là j'avais l'impression qu'il y a des trucs qui me... Ah mais ouais, regardez. Et les carapateurs. C'est bien ce qui me semblait. Ah mais ouais, c'est là où on avait sauvé le gars. Donc en plus je me faisais attaquer par l'autre côté quoi. Ok. Mais y'a quoi ici maintenant qu'on a... Y'a pas un petit truc là à gagner, je sais pas. Quoi là-bas? Lapin, moi je veux des ratons. Je veux tuer des ratons. Putain le mec ça fait tellement psychopathe. Je veux tuer des ratons. le vieux psychopathe. Il n'y a pas de feu dans le coin là. Oh mais c'est beau. On sait jamais, ça peut servir.
Les paysages, ils sont beaux. Hop, bah c'est parfait, tiens, une petite pause. Une petite pause s'impose. Hop. Et bah YouTube, je vais vous dire bisous ici. Puis bientôt une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Ça arrive.